voyez, même si je déserte un peu YouTube, je suis un minimum présent et surtout avec une vidéo que vous adorez tous et toutes, un book haul. Oui, un book haul. Je sais, j'avais dit que j'essayais d'être de plus en plus minimaliste sur l'achat des livres, mais il n'y en a pas beaucoup, ils ne coûtent pas très cher et c'est surtout que c'est des livres aussi que parfois j'ai pris sur Vinted, c'est-à-dire avec ma cagnotte, puisqu'il faut savoir que j'en ai vendu pas mal. D'ailleurs, je vous mets mon compte Vinted ici si ça vous intéresse. Mais du coup, c'est comme si j'échangeais un livre contre un autre. Voilà, donc petite justification, on dit pardon. Voilà, bref, en tout cas, je vais vous présenter ça. Par contre, je tiens à le préciser, ce book haul, c'est que des livres de spiritualité et de développement personnel. Il n'y a pas du tout de roman. Donc pour ceux que ça n'intéresse pas, eh bien, au moins vous êtes prévenus dès le début de la vidéo et vous pouvez quitter. Voilà, je suis désolée. Et pour ceux qui kiffaient ça, eh bien, je vous invite à rester. Et du coup, on y va. C'est parti, c'est parti. Le tout premier livre de ce book haul, c'est un tout petit, tout mignon, tout rikiki. C'est Les pensées d'Anka de Stéphanie Abellan, qui est auto-édité. Déprogrammation de l'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Donc Stéphanie Abellan, c'est celle qui crée les Médéors d'Anka sur Instagram, que j'ai ici d'ailleurs. Je vous en parle sur mon compte Instagram. Et pourquoi j'ai pris ça? Mais parce que c'est vrai que moi souvent j'ai beaucoup d'idées, je fais beaucoup de choses, mais j'arrive pas à aller jusqu'au bout de mes projets. Sauf que là, vu que j'ai signé dans une maison d'édition et que je dois finir tous mes projets que j'ai commencé d'oracle, etc., j'ai pas envie de m'auto-saboter. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce petit livret que j'ai trouvé sur Vinted d'ailleurs. Et comment ça fonctionne? En fait, il faut lire ceci. C'est comme de la méditation, mais une méditation inconsciente. C'est-à-dire que quand vous allez le lire, il y a de multiples techniques comme le pouvoir de l'intention, la visualisation créatrice, la puissance des mots-clés programmés et la suggestion positive qui vont aller en fait débloquer et nettoyer nos mémoires cellulaires liées à ce problème-là. Voilà. Pour ceux qui voudraient connaître et en savoir un peu plus sur la mémoire cellulaire, sur la physique quantique, etc., je vous invite à aller voir mon live que j'avais fait avec Stéphanie, les Médéors d'Anka, sur mon compte Instagram, dans mon petit onglet IGTV. Vous comprendrez un peu mieux peut-être de ce dont je parle. Voilà. Et ces petits livres, c'est vrai que ça marche très très bien apparemment. C'est très court. Voilà, il faut juste le lire vraiment à un moment calme, où on est posé, où vraiment on a envie de se faire du bien à soi, parce que ça va jouer vraiment sur le côté conscient et inconscient. Conscient parce que en lisant cela, vous savez que vous êtes en train de lire et que vous savez que vous êtes en train de lire ça pour débloquer quelque chose, et après ça va jouer de façon inconsciente par rapport à toutes les techniques d'écriture qu'il y a à l'intérieur et qui vont aller débloquer, nettoyer tout ça. Voilà. Ensuite, en lien avec un de mes projets justement par rapport à ma maison d'édition, je me suis procuré ces petits cahiers aussi. Donc vous voyez, on est dans les formats tout mignons, tout rikiki, trop chou. Donc c'est les petits cahiers de sagesse ancestrale aux éditions Marabout. Donc j'ai pris Géométrie sacrée de Miranda Lundy et Le nombre d'or de Scott Olsen. Donc faut savoir que la géométrie sacrée, ce n'est pas la géométrie ordinaire. La géométrie sacrée, c'est une géométrie que l'on retrouve déjà naturellement dans la nature et qui a un pouvoir énergétique et symbolique qui permet de travailler sur les énergies. Voilà. J'en dis pas plus parce que je n'ai pas approfondi le sujet et que c'est vraiment un sujet très complexe, très profond, où il y a beaucoup de données. Je vous invite aussi, pour si vous êtes intéressé sur ce sujet-là, à aller voir mon live que j'avais fait avec Athénaïs et que vous pouvez retrouver aussi à MIGTV sur mon compte Instagram. En tout cas, voilà. À l'intérieur, c'est très bien fait parce qu'on a vraiment les visuels, du coup, les schémas, les explications, etc. Mais d'une façon, vous voyez, assez courte et concise. Donc, c'est vraiment une synthèse de la géométrie sacrée et une synthèse du nombre d'or. Le nombre d'or, c'est ce fameux nombre mathématique qui serait le nombre parfait, qui permettrait d'atteindre la perfection. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais quand en chirurgie, la chirurgie esthétique, il se base sur le nombre d'or pour transformer les visages, parce que le nombre d'or permet d'atteindre cette perfection, voilà, cette beauté. Donc voilà pour cela.
toujours grâce à ma cagnotte Vinted, je me suis pris l'art de la numérologie de Anna Southgate, ou Southgate, comme vous voulez, aux éditions L'Imprévu. Donc ça, c'est vraiment une introduction à la numérologie. Pourquoi je m'y intéresse? Ben, c'est comme l'astrologie, c'est comme le développement personnel, c'est comme la cartomancie. Ce sont des outils qui permettent de mieux se comprendre, de mieux se connaître et qui donnent certaines clés pour ouvrir certaines portes. Donc voilà, et puis je suis curieux, ça m'intrigue. Donc j'avais envie d'avoir au moins les bases. Et ça, c'est comme ils disent, une bonne introduction à la numérologie, à son histoire et à ses techniques. Avec ce livre-là, je vais pouvoir calculer mon nombre natal, mon nombre d'expression, mon nombre actif et voir en fait un peu en général ma personnalité à travers les nombres. Donc c'est vraiment pour un travail sur soi, voilà, pour, comme je vous disais, mieux se comprendre, voilà, pour un peu se trouver. À l'intérieur, il est légèrement illustré et coloré, donc je vous montre rapidement. Voilà, voilà, hop, 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 hop. Je vais vous donner un peu le sommaire. Donc, partie 1, c'est les principes de la numérologie. Donc, il y a le nombre primaire, les nombres primaires, les nombres secondaires, le nombre natal, le nombre d'expressions, le nombre actif, changer de nom, voyelles et consonnes, couleurs et numérologie. Ça, ça m'intéresse énormément. Vous le savez, la chromothérapie, c'est ma vie. Donc, allier la couleur avec les nombres, bon duo. Jour de chance, partenaire compatible, numérologie et astrologie. Donc vous voyez, on a en plus l'astrologie qui se joint à la numérologie, donc ça c'est bien. Non, je pense que j'ai fait une bonne affaire, surtout vu le prix sur Vinted, ça vaut vraiment le coup. Les tablettes de la destinée, donc ça je ne connais pas, ça doit être un principe vraiment associé à la numérologie. Et ensuite partie 2, eh bien, c'est les guides de la personnalité, donc c'est le nombre natal à chaque fois par rapport, voilà, donc ça c'est les nombres natals, vous avez la description à chaque fois des personnalités. Donc je testerai, je vais m'y plonger dedans et je pense que je vous en ferai un retour sur Instagram. Alors celui-ci, vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, c'est mon coaching coloré de Anne-Sophie Casper aux éditions Erol. Donc ça, c'est à cause de Johan Chevillard que je me le suis procuré. Ça parle de chromothérapie, mais c'est plus sous forme de coaching. Donc c'est-à-dire que c'est il y a un peu de théorie, mais c'est surtout le côté pratique. Comment utiliser les couleurs au quotidien à travers différentes astuces et exercices. Donc moi, tous les autres livres que j'ai, c'est plus quand même de la théorie. Et c'est vrai que là, j'étais curieux de voir comment ça allait être abordé sur le côté pratique. Bien évidemment, l'intérieur est très très attirant, très pétillant, très coloré, très vif. Donc tout ce que j'aime. Voilà, je ne l'ai pas encore commencé. En termes de sommaire, et bien en fait, il se découpe à chaque fois par rapport à chaque couleur. Donc vous avez par exemple le red carpet de votre succès. Vous avez dans le bleu des profondeurs de vous-même. J'aime bien en plus les jeux de mots. Tous les feux sont au vert, sous le soleil de votre succès. Donc voilà, c'est à chaque fois une couleur bien précise qui va jouer sur un domaine de votre vie en particulier. Et du coup, quelles choses pratiques, quelles astuces, quels conseils on peut mettre en place pour utiliser les énergies de ces couleurs-là. Voilà. Toujours à cause de Johan Chevillard, parce qu'il a présenté les deux en même temps, et je me suis dit pourquoi pas, et bien de la même autrice, et pas aux mêmes éditions, donc toujours la même autrice, c'est Anne-Sophie Casper, aux éditions Rustica cette fois, et c'est le guide du magnétisme, réveiller le pouvoir magnétique qui sommeille en vous. Alors pourquoi celui-ci je l'ai pris? Parce que des livres sur le magnétisme, je n'en ai qu'un, et après j'ai un gros livre qui parle de soins énergétiques, mais vraiment le magnétisme pur, je n'en ai qu'un, et je voulais approfondir, et apparemment Johan Chevillard a vraiment validé ce livre-là par Anne-Sophie, puisqu'apparemment, elle casse plusieurs idées reçues qu'on peut avoir sur le magnétisme, elle le modernise, elle donne vraiment une vision beaucoup plus jeune, beaucoup plus moderne de tout ça. Donc, à voir, à tester. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le magnétisme, c'est utiliser notre énergie ainsi que celle qui nous entoure pour aider à soulager douleurs et maladies. Donc voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas le magnétisme, en plus l'intérieur... et comme j'aime, c'est-à-dire c'est des couleurs douces, légèrement aquarelles, on a des schémas, quoi, voilà, il est attractif et ludique, donc moi je dis oui. Le dernier
dernier de ce book haul, c'est encore un achat Vinted, c'est le Dictionnaire des rêves de Hélène Renard aux éditions France Loisirs. Vu que c'est une édition ancienne de France Loisirs, il ne se fait plus, vous ne le trouverez plus, sauf sur Vinted où il y en a plein qui le vendent à des sommes dérisoires. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et comme son nom l'indique, eh bien, c'est un dictionnaire pour comprendre, analyser et décrypter ses rêves. Donc par exemple, vous rêvez de lapin, et bien hop, vous allez dans le dictionnaire, vous allez à la page lapin et vous regardez le symbolisme, la caractéristique de ce que signifie de voir des lapins dans son rêve. Voilà. Pourquoi je me le suis pris? Tout simplement parce que j'étais en train de créer ma carte d'oracle sur les rêves. Et du coup, ça m'a donné envie d'analyser mes rêves beaucoup plus en profondeur, puisque faut savoir que les rêves aussi, c'est vraiment de la méditation très profonde en fait. Et que les rêves, c'est l'outil préféré de nos guides spirituels pour nous envoyer des messages. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait un outil de décryptage. Mes amours, ce book haul est terminé. J'espère que ça vous a fait plaisir de retrouver ce genre de vidéo et un tout petit peu de me retrouver moi. Voilà. En tout cas, comme j'avais commencé à le suggérer, je ne sais pas si je vais arrêter complètement ma chaîne YouTube, mais en tout cas, j'y serai de moins en moins présent. Je tiens vraiment à m'excuser pour tous ceux qui me suivent sur ce réseau, mais c'est vrai que YouTube, c'est un réseau qui ne me convient plus et qui ne me correspond plus trop. Voilà, c'est vrai qu'avec ce qui m'est arrivé, je réfléchis à beaucoup de choses et je préfère l'immédiateté, la proximité que j'ai sur Instagram. Voilà, donc sachez que sur mon compte Instagram que je vous remets ici, maintenant je ferai des IGTV, donc ce sont des vidéos de 10 minutes maximum sur différents sujets qui me passionnent que je pouvais aborder ici. Donc est-ce que définitivement j'arrêterai, je fermerai cette chaîne-là? Je ne sais pas. Pour le moment, c'est pas le cas, donc ne vous affolez pas dans les commentaires. Vous pouvez par contre me dire en commentaire si vous voulez ou pas, si vous êtes pour ou contre que j'arrête définitivement ma chaîne YouTube et que je fasse que du Instagram. Dites-moi, j'écouterai aussi parce que c'est vrai que vous êtes maintenant 4000 à me suivre ici et c'est normal que je tienne compte de votre avis et voilà, vous êtes mes amours, vous êtes mon soutien, c'est vous qui regardez les vidéos, donc il faut que je fasse aussi par rapport à vous, même s'il faut que je m'écoute moi. Voilà. En tout cas, comme d'habitude, et ça pour toujours et à jamais, gros, gros.